Hey, salut YouTube! 12e let's play incroyable avec Dart, Rose, Meru et bien d'autres personnes. Que dire à part de rends mon âme? Parce que y en a marre quoi, hein? On voudrait se transformer en dragon, nous. On voudrait casser des fions. Alors on est là pour profiter un peu, hein, pour récupérer quelques combos afin de pouvoir débloquer les attaques finales, puisque je rappelle que le moyen de débloquer les attaques finales sont bel et bien d'avoir les combos au max. Et donc let's go pour les terres natales des Gigantos, là où le clan de Gerich nous attend bien évidemment. Quelle est l'astuce de l'extra stage? Ouais, pour le troisième boss faut pas faire d'AOE, faut pas focus les rats, faut focus la mama. Donc on l'a vu. Allez mon gars! C'est pas une astuce, hein. C'est pas vraiment une astuce, hein. C'est une logique en fait. Ah ça brille là-bas, vous avez vu? Tick off de ses morts. Ah c'est 20 gold. Qu'est-ce qu'il y a à faire là? Allô? Petit interrupteur! Vous pensez que ça va arrêter les flèches? Ah oh, j'y crois moi. FC qui a cru que c'était une astuce de fou. Ah, plus de flèches! Ah, bah ça, c'est bien, c'est une bonne chose ça. Deuxième astuce. Attention! Regardez, il est là! Le petit con! Je sens la présence de l'ennemi. Et là. Qu'est-ce que vous voulez? Et comment vous êtes arrivés ici d'abord? Amusons-nous un peu avec eux! Et baston, et les gars, et les tuer par du patron! Mais, et si on les massacrait jusqu'à qu'ils en aient marre de vivre? Allez, mon gars! Non, la porte! Bande de petits salauds! Vous pensiez que ce serait si facile, hein? Hop 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 hop! Hop 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 hop! Je ne sais plus s'il y a un truc à faire. Hop 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 hop! Allez mon gars, esquive! Putain, mais vous êtes nul, hein! Allez! Le sérieux du cul, là? Y'a rien d'autre à faire? Je sais plus c'est quoi l'event, tiens. Cet event me parle pas. Wouhou! Mais attendez, on va juste se casser alors. Ah oui, c'est ça! Et là, il y a les deux autres qui arrivent. Mais vous allez où comme ça? Tire sur tes pattes! Et en vrai, je crois qu'on perd des PV. Hein. Mais gré non! Ils sont vifs ces microbes! Eh hey, mon frère, occupe-toi d'eux, hein, tu veux? Wow, Feldrop, tiens le jackpot! Et ouais, je les tiens. Ben allez bien, mon gars. Ah, ça faisait longtemps. Ça commence à me démanger. Conduisez-vous à votre chef, il faut qu'on parle. Personne ne parlera. À cause de vous, notre territoire de chasse ne vaut plus rien. Et là, cette posture, elle vient de l'école rouge. Ah dommage, Vanariz. Pardon? Mais comment tu sais ça? Mais justement, j'allais te le demander, comment as-tu découvert l'école rouge? On s'en balance, si tu veux vraiment le savoir, mesure-toi, moi. Et baston, donc oui, bien sûr, cette partie sera faite avec Ashel, donc on va devoir le builder après. Je ne sais pas s'il sera obligatoire directement. Ce qui me ferait chier parce qu'il va peut-être me remplacer un perso random, genre Rose. Non, ça va. Yes, double frappe.
Ah, c'est presque, Totoro, c'est presque. Voyez comme le chat s'amuse. Hein. La page du leaderboard a planté chez moi. Ah ouais? T'as cru au counter, toi? Lutin exclamation monnaie. What? C'est quoi cette commande? C'est juste lutin. Monnaie, tu vas remplacer par la ce que tu veux en fait. Ah, presque, c'est oui, presque. Il perd tout. On va juste profiter de ce combat pour régénérer Rose. Je pense que ce sera Meru qui va jarter à la place de. Parce que Rose est beaucoup trop forte. Parce que déjà de une, c'est elle qui peut dragoon encore. Et HL met des belles datanes. Mais Meru, pas encore assez. Pas de counter. Bah, meurt. Allez, réessayez donc dans 5 minutes de gagner des lutins. Pour le moment, profitez du combat. Ah, exclamation point. Full exclamation point. Allez, on va te casser la gueule, toi. T'as pas le droit de voler l'art de l'école rouge. Allez, je vais te tuer. Ah, il sait même pas counter. Nul. Nul sur 20, mon gars. Nul sur 20. Oh, mais arrêtez la focus. C'est incroyable. Je dois la régène. Meurs. 14e, hein, c'est pas mal. Oh, mais 14e, mais plus rien. Tu repars dans le fond du classement. Dommage. Putain, un all-in. C'était risqué, ça. Un all-in si haut. Je rappelle qu'il va y avoir un giveaway, qu'il va falloir des lutins pour participer hein, au giveaway. Du moins pour s'inscrire. Afin d'éviter qu'il y ait des personnes totalement random qui ne restent pas du tout et qui sont là juste pour s'inscrire dans le giveaway. J'aimerais bien que tout soit que se parte sur des gens qui restent quand même actuellement. Donc pour éviter la catastrophe, les lutins seront nécessaires. Parce que je l'ai remarqué sur beaucoup de streams, il y a des robots hein, qui recherchent sur Twitch le terme, etc. Mais bref, on en parlera un jour. Et donc l'école d'arts martiaux, de rouge a été une tradition qui ne se perpétue que dans mon village. Celui qui pratique ce combat est donc lié d'une manière ou d'une autre à rouge. Connais-tu une femme combattant du nom de Claire? Je la connais pas, c'est mon patron qui m'a tout appris, Guériche. Guériche. On va donc étudier ce style autrefois, mais il a été chassé de chez lui il y a 20 ans. C'est là qu'il est devenu brisant. Chassé de chez lui? Je sais désormais. Ah, ce Guériche. Ce doit être mon ancien disciple. Il est bien ici, non? Oui, mais vous ne pourrez pas le vaincre, il est bien 10 fois plus fort que moi. Ah, faut savoir prendre des risques et perdre. Ce sont mes points qui décideront si je peux le vaincre. Ou non. Oh! Au secours! Pas tout de suite, celle-là. N'hésitez pas à mettre un minuteur de 5 minutes. Et allons-y. Mais qu'est-ce que tu fais? Regardez ça. Bah, je vais vous montrer la vraie école du rouge, moi. Bah! Même sans être un dragoon, regardez cette dalle épaisse de je ne sais combien de centimètres. Au secours. Je ne voudrais pas avoir Ashel en adversaire. Clairement pas. Allez, on y allons, hein, on y va. Pardon papa. Donc il nous force à l'avoir ou pas? Ah pas du tout. Bah c'est bien. Continuons comme ça. Ah mais c'est peut-être ici qu'il va nous décider de justement d'y aller. Il manifeste que ces brigands se cachent. Commençons par là.
Oui, c'est tellement Tortue Géniale. C'est vrai que la première fois que j'avais remarqué le personnage, je l'avais clairement identifié à Tortue Géniale. C'est marrant qu'on ait eu le même réflexe à l'identification d'un autre personnage. Mais ça ne va pas? J'en ai peut-être un trophée. Je suis un peu esquinté le dos. Ah, ne vous inquiétez pas. Ça ira dès que je me serai un peu reposé. Ah, les hommes. T'aurais dû te rappeler que t'es tout jeune, hein? Passez devant, je m'occupe de lui. Vraiment? Je crois que je peux rester là tout seul. Ah, pas question. Nous ignorons quand ils reviendront, hein. D'accord? Ah, il faut les laisser. Nous reviendrons s'il arrive quoi que ce soit. Ah, s'ils reviennent, je réduirai en charpie, t'inquiète. Sois sage, Shell. Ouais, mais non. Wakatepe Baboon. Ah, désolé. Eh oui, il doit rendre les comptes avec son ancien disciple et ne se laissera pas faire. Il décide donc de mettre KO Melu. Pouet, 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 pouet. Pouet, 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 pouet. On dirait qu'il n'y a que des lucioles de roche ici. Ah, cool, on va pouvoir régénérer. Melu! Mais qu'est-ce que s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi ça. Ah oui, 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 quelqu'un qui m'a cogné et puis... Oh, flûte! Mais où est passé HL? Serait-il parti seul? Non, voyons. N'importe quoi. Je veux bien une petite régène, merci. Ça fait du bien. Là où ça passe. Prière d'ange, c'est la raise, je crois, je sais plus. Ça fait toujours des objets parce que je suis à sec d'objets de heal. Tic tac touc, paf. Sauvegarde bien méritée quand même. Donc level 3 hein, de Dragoon, c'est pas mal. Rose commence à bien évoluer. Puisque je rappelle que la dernière technique est quand même l'une des plus belles de chaque Dragoon. Puisqu'il permettra d'invoquer son petit dragon. Rien que ça, hein, rien que ça, un petit dragon. C'est quand même assez stylé. C'est pour ça qu'on aime bien farmer des SP. Plus tu farmes de SP, plus tu gagnes de level de dragon. En tout cas, c'est ce que j'ai pu remarquer à chaque fois. Rose a gagné. Putain, 300! T'es sérieuse, cocotte? Ouais, il nous a apeuré. Mais à chaque fois, elle nous a fait gagner une barre comme ça, Rose. Et le toujours plus, c'est pas dégueulasse. 100 points à chaque fois. On va peut-être même atteindre le niveau 4 sans le vouloir. Regardez, une barre à chaque fois. Non. C'est quand même, il me semble, ce combo. La danse mortelle, il me semble que c'est aussi un combo qui donne pas mal d'SP. Ah ouais, alors toi, non. Alors toi, non. Jamais. Ah, il pue ta gueule. Je lui dis non, jamais. Qu'est-ce qui se passe? Elle est à terre. Faut pas commencer en étant paralysé, prochain boss, hein. Ah ben non, mais si on est apeuré dans tous les sens, ça va pas le faire. On va voir si on a quelque chose pour pouvoir virer cet état, parce que sinon... Quoi? Mais tu viens de te prendre 400 dans les dés... Non. Tu peux pas rester avec 400, là. Puis toi, arrête de nous cracher dessus. Merci. C'est bien. Allez, meurs. Putain. Ah, tu perds, Vanari. Ce qui est bien, ce que vous avez remarqué, hein, c'est que vous pouvez jouer tous les 5 minutes et tous les 5 minutes, vous avez 50 lutins. Donc, à un moment, ça ne peut être que gagnant. Ouais, bon, par contre, là, littéralement, là, vous venez de me la mettre KO, là. Ah non. Ah, parce qu'il va falloir arrêter, monsieur. Non.
va falloir vraiment littéralement arrêter, hein, parce que là, diviser par deux à chaque fois l'attaque, mettre des 200 dans la tronche, hein, on veut bien, mais tout de même. Apeuré va rester, la paralysie va partir, il me semble. On est pas loin du level up de Melu. Ouais, c'est ça. Et le problème, c'est que on n'a rien pour la peur. Fuck. Alors si, on a quelque chose. Ah non, bah non, les lucioles ne feront rien. Bon bah tant pis, on va y aller comme ça. Hein. C'est riscouné, mais... Quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Hein. Et écoutez-moi ce bruit. Mais qui c'est qui arrive? Au fait, ça a donné quoi le handball? Je n'ai pas regardé. C'était quoi les finales? Mais je suis mort de rire, patron, ils sont venus jusqu'ici. Ah, ce caillou que je lui ai piqué, ça doit être vachement important. Ah, trop de gens n'accordent aucune importance à leur existence. Et ça vaut pour le morveux Dono. Mais putain, tout de suite, je me moque que ce soit le fils du maire. Maintenant que cette nénette est avec nous. Et puis le Bob, il est bien choisi, hein, hein. Vu qu'il dirige le balai, ça va être du gâteau pour prendre le contrôle du pays. LOL. Mon point ne le désire pas. Je désire juste vivre libre. Si elle veut le pouvoir, alors je le lui donnerai. Ah, cool, l'équipe féminine est championne d'Europe. Ça, c'est très très bon à savoir. Et patron, elle va vous rouler si vous jouez inévitable. Etiqueté. Guériche, je vois que t'as pas changé. Et qui es-tu? À la ferme, menu fretin. Nani? Patron, quelque chose ne va pas? Maître. Ça t'a bougé à quoi, hein? Le maître de l'école rouge? Et alors, tu es un brigand maintenant. T'as bien trouvé, bas. J'ai eu raison de te chasser. Oui, vous avez eu raison. Mais grâce à vous. Je suis enfin libre. Je ne suis plus celui que vous vous souvenez. Je suis une ordure. Ah, les arts martiaux sont ton cœur. À chaque coup, celui-ci souffre autant que tes poings. Sauf pour toi. Ton cœur ne sait plus souffrir. Mais la ferme, je vais te faire taire, moi. Bam. Ah putain, j'aurais voulu qu'il mette une droite. Ah, il aurait mis un KO, il aurait été direct. Je t'ai fait attendre. Salut. Ah mais c'est pas juste de m'abandonner comme ça, hein. Tu désos, hein. Donc voilà, si elle est totalement bloquée, eh ben, pas le choix. On va prendre Rose. Ah, par contre, il n'a pas de stuff. Eh ben, on va faire avec. Ah, et si tu... remontrer ton fameux cœur qui souffre. Allez Rose, hein, on se rappelle qu'elle est huile des mages. On va le défoncer, le petit Mappy. Ce sont des types darkness. Hein. Donc tout ce qui est light, c'est bon contre eux. Et vraiment, focus le Mappy. Ça peut être une bonne chose. On va juste aller check ce qu'on a. Tonnerre, feu, vent, ok, ténèbres, ténèbres, d'accord, la première chose que je dis, hein, il nous faut de la lumière, la première chose que nous n'avons pas, c'est bien sûr de la lumière. 54 pour un Veritas de flamme, nani. Ça va vite lui. À double point. Ce sera l'un des rares moments, pardon, que vous allez entendre Ashel, puisqu'on va peut-être pas le jouer dans notre game. Juste peut-être monter tous les combos de tout le monde en hors vidéo. Et afin de pouvoir avoir le tout. Bon bah, plus qu'à utiliser ce qu'on a. Hein. Quand il n'y a pas le choix. Ce sont toutes des attaques moyennes. Cela, ça non, jamais. Ah, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix.
va garder les dragoons de côté. Voilà. On va bien le défoncer comme ça, le petit Mappy. C'est vraiment lui le problème. L'autre il s'amuse avec ses petites dagounettes là. Il fera rien de grand chose à côté. De toute façon, je pense quand même que HL a un bon stuff là. Mappy maintenant! Regardez le combo là. Pow! Pow! Et ça. Ça, quand tu te le prends en l'oignon, t'es pas content. C'est pour ça que Mappy, faut vraiment qu'il dégage vite. Ouais, on va le défoncer. Oh merde! Vraiment? Putain, j'ai été si nul. Allez. J'ai essayé de faire votre technique, ça marche pas. Vraiment, je préfère spammer moi-même. J'ai essayé de la technique du... Il y en a qui font ça comme ça là. Ah c'est pas terrible. Je préfère faire mon 220 manuellement. Ah souvent ouais t'es pas content. Non mais arrête avec Dart toi là. T'arrives à me le défoncer quoi. Adieu Dart. Ah et Mappy qui se barre. Con. Ouah ce qu'il m'a mis. Ce hard focus. Bon au moins on n'est plus apeuré. Au moins on n'est plus apeuré. C'était pour ça en fait, c'était la tech hein. N'hésitez pas hein, à utiliser cette technique afin d'éviter les apeurs, les apeurements. Oh tiens, et si on se faisait un petit dragoon de lui? C'est vrai que vous ne l'avez jamais vu. L'armure qui progresse, tellement stylée. Bam et bravo Feldra. A Feldra qui commence à gravir les échelons. Qu'est-ce qu'il a comme magie déjà? Ah, un petit dégât de tonnerre. Ah, on va lui montrer c'est quoi les arts martiaux de l'école rouge. Non. Dommage. On aurait pu tellement le perfect. Ah presque mon petit Jevar, presque. C'est presque ça. Que 12ème. Bah après, fais !FC. Tu mets le pseudo à côté de la personne que tu veux voir. Regarde les points qu'il a FC, tu comprendras Feldra. Donc vous voyez quand Mappy n'est pas là, c'est vraiment le luxe. Voilà, le voilà de retour. Bah si tu peux rester, comme ça on te balance la sauce avec de la magie. Non, il a dit non. Il a dit non. Ah, je suis désolé. Hein. À part s'y intégrer maintenant. Hein. Petite transformation du cul. J'adore quand elle gueule. Je sais pas pourquoi elle gueule comme ça, mais. Ça fait si mal de se transformer en dragoon. Je sais pas, hein, je demande. Faut poser les bonnes questions des fois. Petite régène. Puisque de toute façon, comme je dis, hein, il faut vraiment que Mappy dégage de là. C'est bien de le focus lui, hein, ça va faire quelques pourcentages en moins, mais sinon non. File-moi les lutins de FC, faut que je me refasse en scred. Tu sais qu'on est sur YouTube? FC va le voir ça. Hein. Il sera au courant. Il verra la rediffusion, il verra le chat et il verra que t'as écrit ça à full. Bravo hein. Pas discret hein. Mec pas discret du tout. File-moi les lutins d'FC qui a dit. Énorme. Petit def.
Je sens qu'il va y avoir un petit dart qui va se faire bolosser, je sais pas pourquoi. Mais reste là, toi. M'énerve. Bam. C'est pas grave, je vais trop lancer la magie. Ça te va? Moi, ça me va. Une absorption astrale. Un combat n'est pas plus amusant. Du fait du combo Mappy Gerich, hein, qui est pas évident. Alors, vous avez vu, il a tenu son maître, hein, le petit moustachu là. Tu couperas au montage, d'accord. T'as rien vu, YouTube. La mise de départ pour le giveaway, c'est 100k. Je ne sais pas. Pourquoi pas? J'en sais rien en fait, Feldra. Ça va peut-être être 20k, tu vois, parce que comme on fait souvent, quand il y a un arc-en-ciel, un truc. Hein. Merci beaucoup, Natbuck 2018. Merci énormément pour le follow. Je ne sais pas. En vrai, je ne sais pas. Au 28, hein, tu peux y aller, hein, mon petit pas mobile. Bon, est-ce qu'on lui défoncerait pas un peu l'oignon là? Allez, il va counter sûr. Oh, quel nul! Oui, 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 danse mortel. Bon, et toi, reste! Oui! Crève! KO! Allez hop! Ça dégage! Il nous faudrait que Dart puisse raise. Oh, miss! Nul! Ah, dommage. Bon. Ah, j'aurais pu faire peut-être sur lui. Sur Mappy. Bon, c'est pas grave. Le truc, c'est qu'est-ce qu'on a besoin du maître? Je ne pense pas. Il faut absolument que, par contre, Mappy meure. Et après, on peut raise Ashell. Hop, un petit caca de heal. On se remet. Une petite santé. La petite santé avant tout, bien sûr. Ah, pas encore, mon petit Feldra. Pas encore. Waouh. Et ouais, j'aurais peut-être dû focus cette attaque sur ma pie, justement. Putain, j'ai eu peur. Je me suis dit, il va me le tuer le deuxième. Alors, faisons la reste tout de suite. Parce qu'en gros... Ouais, mais Rose, elle va quand même enchaîner, elle va plus se transformer en dragoon. Bon, c'est ça le moyen de récupérer. Oh, mais Feldra, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais t'es complètement... Waouh! Mais what? Ce mec full win! Et dites-moi pas qu'il n'y a pas de... Hein? D'accord? On a la preuve, là, en vidéo. Cet homme gagne tout. Explose, attaque tout le monde. J'aime pas trop. Ouais, tiens, ça. Ça devrait tuer. Bah, ça marche pas, hein, je sais pas, mobile. T'as oublié l'exclamation. Allez, meurs, toi. Yes. Ouh. Et FC qui se refait derrière. FC il se refait derrière quoi. Vous avez vu comment le premier du leaderboard gère ses lutins? Cet homme les vole derrière. Vous jouez au slot et lui récupère en duel. Il est intelligent. Il est fou l'intelligent cet homme. Ah bah si vous avez fait un all-in, ouais forcément vous avez 50 lutins. Ah t'avais même pas vu le 20k? Bah ça peut peut-être tuer hein. Allez on va tuer Gerich. Enfin se refaire en item aussi de combat. Surtout des types foudre. Il va nous falloir bientôt. Ça peut tuer. Sinon il manque une attaque. Il manque une attaque alors. Et bah allez vas-y Ashell.
Détruis ton disciple. Ça devrait suffire. Pas du tout. Pas du tout. Fais-moi crédit. Non mais c'est quoi ces histoires? Fais-moi crédit. Mais c'est pas une banque ici. Ah! Allez, ça, ça tue. Ça, ça tue. Mais je vais te niquer! Mais meurs! Comme elle dit, crève! Ah! Pau! Prends ça! C'est fait défoncer! Victoire! Ah, ça se gaffe, ça se gaffe, c'est pas mal. Allez, cinématique. Regardez ce salaud. Je t'ai écrasé. Bah non, tu restes à terre. Regardez, il y a le nez rouge, il est bourré. Et là. Run, master! Oh. C'est sans espoir. Ah! Salut toi! Quel homme fier! Heureusement qu'il était là, sinon on était tous morts! Un petit bandeau d'âme et de l'XP gratuite pour HL, il va se faire au moins 2 levels. Oui. La lame dure! Ah oh ouais, 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 la lame dure! Comme vous diriez si bien, je vous ai vu hein, dans le chat. Un nouveau combo pour Rose, bah c'est très bien parce qu'on en a déjà fait 2. Lorsqu'elle aura atteint son 80 sur 80 sur la lame dure, elle obtiendra le dernier. Et on dirait que mes points. Commence à te le montrer, hein, Gerich. Va-t-il s'en sortir? De justesse, pour l'instant. Mais si ce giganto ne nous avait pas sauvés, il serait déjà mort. Et nous avec. Mais que fais-tu là, Kongol? Et pourquoi nous as-tu sauvés? Quelle étrange façon de se venger. Que se passe-t-il dans ta petite tête, là? Vous, plus ennemi. Ici, endroit sacré, giganto. Moi, survivant. Mais les autres Giganto? Humains, tuez, nous, voler trésors, Giganto. Humains pensent, autres espèces peuvent mourir, un humain égoïste. Non, ce n'est pas un robot, c'est un Giganto. Mais est-ce pour cette raison que tu as pris part à la guerre? Pour empereur Doel. Moi, encore petit, courir, lui sauver Kongol, battu contre humains méchants. Ah bah, il faut un moment mourir hein, et perdre Fedra. Kongol, venir avec vous. Kongol. Alors Kongol, ici. Eh ben... Toujours. Empereur Doel, dire lui, créer monde spécial où toute espèce égale. Monde a besoin d'un chef fort. Kongol, regardez si vous pouvoir être chef. Tristesse des gigantos doivent plus recommencer. Mais l'égalité est impossible. Nous ne pouvons que tuer ou être tués. C'est tout. Mais attends. Les mobiles qui me poussent à poursuivre ma quête ne regardent que moi. Je ne ferai pas un bon chef. Kongol, venir avec, voir. C'est ça. Toi, battu, empereur Doel. Fort, plus fort que Doel. Kongol, regardez où pouvoir aller. On a de tout, hein. La team. Bah c'est bien, on est en sécurité avec le plus quand on est nombreux hein. Et puis je comprends ce qui se sent attiré vers toi Dart. Quelque chose doit te suivre. Je sais pas encore ce que c'est mais moi aussi j'ai envie de te suivre et de t'aider. Vous êtes d'accord? Vous êtes? D'accord.
La Rose, elle est pas trop d'accord. Ah, nous sommes amis, désormais. Amis. Ça, bon mot. On a réussi! Vous avez pas oublié l'autre qui est en train de mourir? Ah, tu oublies encore le plus important. Allez, on va retrouver Lynn! Et l'âme de Dragoon. Bien évidemment. Wouhou! Ce que vous cherchez peut-être en bas, poussez la chose en haut. Hein? Quoi? Toi être bourré? C'est ça? Tibutununo! Ah bah tiens, ça a une forme d'escalier en haut. Bah, c'est bizarre. Wait, wait. Voilà la la poète. Oh. Gerish, tu as repris connaissance? Ah! Je suis heureux d'avoir reçu votre point, maître. Tais-toi, tu vas mourir à force de trop parler. Dieu, je dois vous dire. Ou je mourrai comme ça, idiot. C'est au sujet de la princesse Emily. Celle du château est un imposteur. Il y a eu un échange. Ah! Mais tais-toi! Tais-toi donc! Ah, la vraie. Elle est cachée dans le château. Ah! Je vous rejoindrai plus tard. Il faut que je l'enterre. Putain, elle est mort! Ah, mais c'est nous qui l'avons tué. Congol, venir. On a la tué un, mais nous apprenons des choses. La princesse, c'est une pétasse modifiée. Tu m'étonnes qu'elle était comme ça. Une belle saloperie de Seymour. Ah bah fallait être aveugle pour pas s'en rendre compte, tu m'étonnes. Moi, attendez ici, brigand peut-être revenir. Brigand, nous avoir cassé gueule. Ok. It's ok. Donc voilà, on aura donc nos trois combos pour débloquer le quatrième. Il faudra terminer la lame dure au level max. Ce qui est parfait, malheureusement, pour elle. Mais lui, on n'a pas eu d'évolution, ce qui est un peu chiant. On a eu une armure, alors c'est quoi ce bandana là de Seymour? Ce qui est un peu chiant. Ah, saloperie d'analogie qui est trop sensible sur le jeu. Albert, c'est pour Albert, on met pas. Mais non, c'était l'anneau. Oui, je suis con. C'est un anneau de... Ah ben non. Non, c'était bien... C'est peut-être parce qu'on l'a plus ici. Mais c'est l'autre zigoto, là. Avec ses points. Quoi? Sérieusement? Point, point, point. Méline, où es-tu? Mélu, t'es venu me délivrer? Ah mais bien sûr, Kate s'inquiète à ton sujet. Oh non! Tu vois pas le levier à gauche là? Mais arrête de taper, t'es débile! Je vais te faire sortir, hein! T'inquiète! Mais arrête de... Voilà, merci Albert. C'est comme ça qu'on ouvre. Ah, au moins quelqu'un qui a plus que 10 de QI, quoi, dans la team. Quand la force ne suffit pas, faut se servir un peu de sa tête. Merci Albert. Merdu, merci. Tu connais ces gens? Ah, c'est mes copains. On voyage ensemble pour des tas de raisons, lol. Ah, vous êtes venus jusqu'ici dans ce lieu dangereux. Mais comme vous êtes courageux. Je rappelle que t'as fait la même chose. Merci. La bravoure n'est pas encore morte. Ah, vous l'avez montré, vous aussi. Merci, Dart. Mais pourquoi êtes-vous venu seul? Moi aussi, j'avais des tas de choses à dire à ces vauriens. Ah, je voulais régler le problème seul, et puis... Je pensais pouvoir discuter avec Erich, s'il n'avait pas changé. Mais il n'était plus le même. Nul doute que la personne a rejoint le gang il y a 6 mois l'a changé. Personne qui se fait actuellement passer pour la princesse Emily. Nous devons retourner au château, sans perdre de temps. Mais seulement après avoir retrouvé l'âme de Dragoon. Bien évidemment, ce que vous recherchez doit se trouver par ici. C'est là que les brigands ont tassé leur putain. Dispersons-nous pour mieux rechercher. Indice, ça brille.
Vous la voyez toujours pas? Ah bah tiens, ça brille beaucoup ici. Âme de dragoon, qu'est-ce que tu as? Je l'ai! Ah bon sang, bon sang! Mais qu'est-ce qui se passe? Elle a l'air d'être heureuse de vous retrouver. Ah ouais, 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 elle est heureuse, l'âme. Et bah enfin, on va pouvoir se retransformer, hein, chef. Allez, retournons à Flight pour tout expliquer à la princesse Lisa. Right. A-t-il fini d'enterrer tout le monde, lui? Vous êtes calme avec les slots, ça y est? Vous avez compris que Feldra était le seul gagnant ce soir? Vous trouvez quelque chose? On dirait que vous avez trouvé Lynn et l'âme de dragoon. Comment le Kongol peut fusionner avec nous? Ah, j'ai l'air à tout perdu. Eh ben désolé, hein, Kongol. J'aime beaucoup ton style de combat. Je trouve que tu es un bon sac à PV, hein, ça y a pas à dire. Un bon gros sac à PV. Alors si vous voulez un sort, hein. Ah oui, c'est un truc entre nous. Mais chut, reste entre nous. Donc si vous voulez un bon perso, Kongol, sachez que dès sa troisième attaque, il me semble qu'elle est 100% de réussite. Non mais tous les 5 minutes, vous avez 50 lutins, donc ça va full. De toute façon, plus vous allez tenter, même si vous avez 50 lutins, et plus vous avez de chances de regagner. Donc, il faut savoir que Kongal est vraiment une unité très intéressante. Malheureusement, son âme, techniquement, ne se retrouve qu'au 4ème CD. Ce qui est très loin. Donc voilà, le bandeau d'âme, il est là, enfin. Donc, SP gagné en cas d'attaque physique. Ouais, bon, ok. C'est le seul qui peut mettre cette merde, là? Bon. Un peu spécial, hein, d'ailleurs. C'est, je trouve, quelque chose de très spécial. Et par contre, 20 d'agilité. Alors là, mon gars, pour Astiel, c'est tous les jours. 20 d'agilité. Ah, voilà, pour le moment, tu perds, mais c'est pas grave. Même avec 50, tu peux trop faire. Faudrait faire une macro. Arrêtez, les mecs. Les mecs vont faire une macro sur mon chat. Les mecs possédés. Une macro qui écrit automatiquement slot all. Ah là là. Vous êtes possédé par les lutins, c'est un truc incroyable. Calmez-vous. Donc qu'est-ce qu'on a obtenu? Une Dragon Soul, des informations pour la princesse, mais surtout un copain. Déjà. Alors par contre, on va vite passer à la caverne des fées. Eh, votre chef est mort. Juste comme ça. Alors c'est comment déjà? Oh putain, j'ai failli me faire combo. Ah oui, c'est vrai. L'âme dure. Combo pas évident à enchaîner. Hein. Sérieux? Autant? Ça fait mal, chef. Oh, le mec! C'est le drone qui explose la baraque. Va falloir que je règle ça quand même. Le multiplicateur gagnant est beaucoup trop. J'ai fait droit. Trois petits kappas. On va le refaire. Oui. Oh putain, ce counter aux deux, c'est ouf. Ah, le dernier est pas perfect. Il est pas très beau. Mais tous les autres, c'était bien centré. Bon, toi, faut vraiment que tu meurs, hein, par contre. Et Melu, ce serait bien de progresser dans tes combos. Petit level up, ce serait cool. Oh, et FC lui par contre perd. Attention FC, hein, tu as derrière toi un combattant, hein, deux génies au slot. Feldra arrive grandement. Il arrive à grands pas. Mais arrête de la focus, putain. Heureusement qu'elle a sa régène, c'est ouf. Ah, heureusement que. Heureusement qu'FC il est là pour ça.
Laibo. Ça va, le combo je l'ai en main. Il y a juste le camp, elle est retournée là, le double combo. Qui quand il y a un counter ici, ça va être chaud. C'est quand même assez rapide à cet endroit. Waouh, ça se défie de ouf. Je vous dis pas YouTube, mais là le chat, hein, regardez. Hein. Lisez bien le chat, ils sont en folie. Oh, 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 ça se taunte. J'aurais pas aimé, moi. Petite régène. Waouh, presque le million. Oh. Mais dis-moi, c'est que tu progresses si vite, FC. Pouette, 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 pouette. Oh. Et FC gagne. Hein. Le million. Le million. Affiche-le à tout le monde. Un million de points. Obtenu par cet homme. Aujourd'hui. Le 16-12-2018. Cet homme a explosé le compteur des lutins. Il l'a fait. Et il continue. Vous nourrissez le monstre. C'est clair. Arrêtez-le. Bon, rassurez-vous, techniquement, FC devrait être à zéro. Hein. Faites-le redescendre. Non, bon, alors, par contre, les doubles frappes, on est vraiment à 99. Hein, faut arrêter. Hein. Je l'avais dit que ce combo était pas mal au niveau des points. Mais je crois qu'il reste qu'à 60. Hein. Le tout m'invite. Pring. Pam, 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 pam. Quoi? Mais non, je vous demande de le réduire à en dessous de du million. Bah, techniquement, il devrait être à zéro, c'est parce que... Je l'avoue, je n'avais pas encore appuyé sur changer les stats du slot. Et donc FC a un all-in sur le slot, alors que j'étais en train de dire le pourcentage de chance va augmenter, etc. Et donc il a all-in sur le slot sans savoir, donc c'était de ma faute. Donc je lui ai rendu les lutins perdus. Parce que j'étais en train de changer la... En train de changer le mini-game. Et bah, il était en train d'en profiter à ce moment-là, donc... De par ma faute, il avait vraiment énormément perdu, c'était de ma faute, donc normal. Putain, mais il se nourrit, mais arrêtez-le. Mais zéro, zéro, il avait vraiment tout perdu à cause de moi, je le jure que c'était de ma faute. J'avoue totalement mes torts, donc je lui ai remboursé. Parce que comme vous me connaissez, moi et l'anglais, LOL. C'était pas terrible, donc ben le temps que je comprenne bien tout ce qui était noté, voilà ce qui s'est passé. Désolé. Mais écoutez, il y a 200% de chance de win, je crois, un truc comme ça. Écoutez, allez, cadeau. On est à ça de découvrir que vous travaillez pour Gumi. Allez, cadeau. Cadeau pour me faire pardonner. Occasion personnelle. Quoi? Allez, profitez du raffle. Ces cadeaux, c'est des lutins du streamer. On prend les combats, on pourrait les fuir, je le sais. Mais là, on a... Ok. Ce n'est qu'un poussin. On a des nouveaux combos à monter. Celui de Dart et celui de Rose.
Salut Darky. Darky qui arrive, incroyable. Telle une flèche. Avant la fin de ce raffle. Comment vas-tu? Mais ne remporte pas de lutin. Mais bravo de Tauros, FC Gévar. Bon par contre là, le petit Piopios, hop là. En plus il taunt. Alors au casino, quand tu quittes une table, tu peux lâcher un jeton au croupier pour pouvoir étudier personnel. Oh le mec! Jusqu'au bout! Jusqu'au bout quoi. Ah, il les lui offre. Que de sympathie entre eux. Ce jeu est truqué. Et non, il est pas truqué. Je fais juste gagner ce que je veux. Ah, ça tonne sale. Hein. Ah, bah ici, de toute façon, c'est le stream du sel. Hein. Si vous n'avez pas encore compris. Il faut la salière. Oh non! Je suis en train de parler, je regardais plus. Le con! Surtout que je le dis, on fait ça pour des putains de combos et je rate mon combo. Donc c'est mort. Ah oui, il peut t'enfiler un peu, c'est vrai. Ah le 666 slot, tu m'étonnes qu'il est perdant. Mais si tu avais gagné, c'était pas mal. Je ne connais pas le pourcentage de taux de drop en fonction de la mise, ce que vous gagnez en multiplicateur. Je ne sais pas du tout. Ah, là il est beau le counter. Bon, même si le... Celui-là est très simple à exécuter. T'as quoi contre moi pour pas me faire gagner? Je sais pas moi. Je sais pas. T'es pas VIP. Ah oui, ça c'est moi qui le décide. Ça c'est moi qui le décide. LOL. Non mais descends, compte c'est mort. Compte personnage là. Qu'est-ce que je déteste être à l'envers dans ce jeu. Attendez. Vous prenez ce caillou ou bien... Non, il faut être encore à l'envers ici. J'ai la gerbe. Bleh. Il faut aller où? Il est où le caillou? Caillou? Je rentre à ma maison. Au secours. Mais non, c'est pas possible, y'a plus rien ici. Mais non, y'a rien. Putain, je me suis fait bait. On peut acheter. Mais non, mais c'est n'importe quoi. Mais non, ça ne peut pas être ça. Mais qu'est-ce que je fais, moi? Où je vais? Allô? Reviens. Reviens, on est bien. Ah, 1 million, moins cher que gratuit. Ouais non, alors c'était pas du tout là chef. Vas-y on se casse. Ah, je connais plus le terrain à l'envers. Terrible. Ah terrible. Perdu. Non mais c'est pas possible. Attendez. Le caillou qui est là? Fuck ce jeu. C'est bien parce que tu fais slot all. Fais slot 50, tu vas peut-être gagner. Bien joué mais raté. Non, mais fais ça, tu vas voir. Ça, c'est pas... Soit, c'est... Meru, la waifu. Ah, il faut savoir qu'à ce moment-là, nous avons libéré donc le marié, hein, qui devait se marier, lol, 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 XDR, lol, lol, lol. Bah, il faut savoir que l'on peut se rendre, tout simplement, au village.
pour aller voir le mariage. Et il me semble qu'on gagne un objet à la fin. Ce n'est pas obligatoire, mais on va le faire, juste pour aller voir ce petit mariage de Seymour. Et peut-être gagner les objets. AF, c'est trop tôt. Trop tôt, Exécutus. Ah bah on vient d'évoluer d'un rang, on vient de gagner 75, donc oui c'est bien cette attaque qui gagne énormément d'SP chez eux. Chez notre ami Dart. Wait. Donc là on se met à l'envers, on va à celui à droite là. On retourne à l'endroit. Oh là là, déjà je suis mal barré. Et on prend le caillou du bas. C'est ça? On vient pas du caillou du bas? Je sais plus. Ah non, c'est bon. Ouh! Quel enfer. Attendez, il y a encore un passage. Celui-là est quand même beaucoup plus simple. Ah, on va pouvoir aller chercher le coffre en même temps. Il me semble que celui-là part à droite. Voilà. Et au retour, on peut aller prendre ça. Et ça, c'est bien. Petite potion. Petit météore, c'est pas dégueu. Trop tôt, moi FC, trop tôt. Hop. Et nous on va là au début. Là, il n'y a plus de combat normalement. Fermez la porte! Ah non, pas encore. Alors on va aller chercher le coffre à droite. C'est peut-être encore une potion ou un objet d'utilisation. Ce sera toujours ça de moins à dépenser. Ah, El Famoso Libellule. Oui, ça c'est une libellule. En l'an 2000, les libellules, on n'a pas la même gueule qu'en l'an 2018. Chacun sa libellule hein, dans son jeu. D'accord. Hein. Hop, là. Le jeu t'abanne, tu gagnes trop. Mais non. On n'est pas comme ça ici. Et je le rate parce que je regarde le chat. Je suis con. Ah, ça lose là, ça lose. Et là, Feldra va se pointer puis il va gagner. Ah, le petit gain d'SP. Le petit ring. De PM d'ailleurs, pas de SP. Autant pour moi. Ah, t'as toujours le million, ça va. T'as toujours le million, donc ça va. Oui, fais gaffe. Ce serait dommage. On a les libellules, c'est mort à gauche, hein, si on veut régène. Ah, c'était un sachet. Ah, les sachets, c'est cool, hein, ça peut faire endormir les mobs. Type monstre. Il me semble pas que ça marche sur tout. Genre si on a un dragon, une connerie comme ça, hop, petit sachet, ça fait dodo. Tu peux m'en tourner. Allez hop! Ah, tu n'as pas encore assez full. Ah, ce con. Cette donation est juste énorme. Ouais, tu sais, je vais un contron, moi. Alors le voilà, le piou-piou de ses morts. 5 PV, mais il est vraiment casse-couille. Hein. Ah bah, il se barre. Ah, putain. Bah, bravo. Tout ça pour ça. Dégoûté. On va aller à Dono hein, pour aller voir ça. Ah, je suis no-balls. Ah, je suis no-balls. Ah, ça y est, hein, ça taunte. Et on te ramène dans ton village, te salue. Eh, hey, nous serons bientôt à Dono. Allez vite retrouver Kate, mon mignon. Elle est morte d'inquiétude. Dart, je ne sais comment vous remercier.
Mais je vous le dis quand même. Merci. Maintenant, Dono est sauvé. Oui. Ouais, t'inquiète, c'est le commencement. C'est votre courage qui a incité le maire à agir, Lynn. Enfin, le maire s'est décidé à agir. Ah, merci, nous avoir aidé, Melu. Mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas encore terminé. Hein? La quête de Dart ne sera pas aisée. Ce que vous faites n'est pas normal. Tous ces monstres-là, Virage, Dragoon, Giganto... Je croyais qu'ils n'existaient que dans des contes de fées. Je sais pas pourquoi, mais je sens que je peux encore être utile. Hein. Allez, et si on a la flèche maintenant? On va pas rester là à rien faire, hein. Autrement dit, le cirque va continuer. Excellent. Moi, je m'en vais. Hein. Dites bonjour à Kate de notre part. Venez à notre mariage, au pire. Je vais essayer de l'organiser demain. Bon voyage. Eh bah, allons, on se dit quand même. Nous sommes invités, c'est gratuit. On va pouvoir bouffer. De la bouffe. De la... Quoi? Même pas pour ça, un mariage? Ah, ok. Foul. Excellente anecdote. Merci, nous avions besoin de le savoir. Le chat est en pleurs pour ton chat. Bien évidemment. Ah, parfait. On va très certainement finir sur ce mariage. J'ai marqué à l'émote parfaite. Vive les mariés! Donc sachez que ce n'est pas obligatoire, hein, comme une fois je le rappelle. Et vous êtes... vous devez être les gens invités par Lynn. Ah, on en sera bientôt au meilleur moment de la cérémonie. Ça devient chouette. Vive les mariés! Tu vas pouvoir consommer. Quoi? Ah ouais, même pas de robe, rien. En mode gitan. Numéro 1, il s'habille même pas, il s'en bat les couilles. Même pas une belle tenue, que dalle. Nous, ce serait revêtu en dragoon, quoi, minimum. Les mariés vont sortir! Ils n'avaient pas le temps de faire un sprite pour un costume et une robe de mariée. Ou trop compliqué pour l'époque, peut-être. Et regardez, elle lance son bouquet! Quoi? Oh, j'ai bien fait de réagir! Merci! Oh, petit bouquet de Kate obtenu! Mais c'est qui la prochaine qui va se marier? Oh! Ah, grâce à vous, notre vie est redevenue paisible. Je vous suis reconnaissant. Là, il nous jette des pierres, c'est ça? Ah, mais vous savez, nous sommes juste allés chercher quelque chose. C'est vous et vos concitoyens qui avez permis ce retour à la normale. Non, pas du tout. Vous nous avez donné le courage de le faire. Vous ne voulez pas vous installer ici, maintenant que la paix est revenue? Ah non, merci, ça ira. Merci, mais non merci. Mais nous avons encore des affaires à régler, vous savez. Je comprends, je comprends. Ah, c'est dommage quand même, hein, mais si vous devez faire, nous irons de quoi il... de quoi il s'agit. Mais nous savons. Vous êtes de taille à tout mener à bien. Bonne chance. Et je vous prierai. Priez avec l'enfant qui grandit dans mon ventre. Je vais prier avec l'enfant, quoi? Déjà? Et bonne chance. Putain, je savais même plus qu'elle était déjà enceinte, elle. LOL. Mais alors, c'est quoi le bouquet? C'est juste un item comme ça, en mode YOLO? Attendez. Ça a une utilité, son bouquet de ses mots? Collection. Bouquet de Kate, ah d'accord. Porte chance lancé par Kate au mariage. Ok, c'est juste un objet de type... un objet non utile. Littéralement, il n'y a pas de mots en fait. C'est un objet inutile. On est content. Ah qu'on est content. Il y a un dogo. Fedor qui insiste. Mais allez là, j'ai des lutins! Et ben voilà, petite séance hein, d'attrapage de bouquets. Maintenant, retour à la quête principale.
que l'on doit mener à bien. Retour au château. Petit combat de... Mais... Ah ! Passe ta porte ! On a cassé la machine ? Non, 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 5 minutes. Hein. C'est juste 5 minutes. 5 minutes peuvent paraître longs, hein, tu sais. Quand on joue, les minutes passent très rapidement, mais quand on insiste à quelque chose, ça peut être long. Oh, bravo, foule ! Comme quoi ça paye. Ah, on one-shot pas encore, hein, ces dragonneaux. Non, 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 non. Je peux te dire que la lame dure, on va essayer de la perfectionner, hein, puisque c'est vraiment le dernier qui nous manque. Oh, oh, il a all-in. Le beau jeu. Vous imaginez que là, FC all-in et gagne, il se retrouve avec des milliards de lutins. Vous imaginez le truc? Des milliards de lutins. Jamais joué all-in, tu l'as fait pourtant. Maintenant je peux partir, qui dit. Welcome to my world. Ah bah le but c'est quand même d'en perdre aussi à un moment. Et de ne pas cumuler trop de lutte, hein, vous comprenez. Il faut que ça tourne. FC a préféré rendre à la machine... Feldra a préféré rendre à la machine plutôt que les donner à FC. Bon t'es... Calme-toi un moment, petit dragon. Comment ça le scandale triche entre streamers? Non mais n'importe quoi. Jamais de la vie qu'on ose faire ce genre de truc. Et FC, oublie pas la fin de stream, hein, reste. Jamais nous pratiquerons ce genre de technique entre nous. De droit, s'insiste avec son 666 lutins. Bon appétit, FC! Bon appétit à toi. Stam... Slam Dunk? De quoi ça parle? Je connais pas, tiens. C'est une série? Un film? Oui, oui, TKT, FC. Soon. Un truc intéressant à Lokumi. Je vais le niquer celui-là. Quel salaud. Oui bah slam dunk basket, ça j'ai pu moi-même traduire, hein. J'ai fait moi-même du basket. Donc je pensais que c'était bien ça. Et donc c'est le premier basket manga, le truc de basket. Il y a eu un truc aussi qu'on devait regarder avec Tonazuki. C'était un truc avec le badminton, je crois, qui avait l'air d'être cool. Très drôle. Ah ouais? Ok. Ah bah tiens, je vais le regarder. Tiens. Je vais le noter dans ma liste. Il est sur quoi? ADN? Un truc comme ça? Anebado. Ça doit être ça, le truc de badminton de Dross. Qui avait l'air d'être cool. Pouet. Ah oh, putain, c'est un level up normal. J'ai cru qu'il allait level up Dragoon déjà. J'ai dit, oh nice, il rattrape Rose. Eh bah écoutez, de toute façon, on va garder le suspense du château. Ici, on est déjà à plus d'une heure de VOD. Faudrait éviter que la VOD explose. Donc, on va sauvegarder ici pour pas trop faire. Peut-être que avant de rattraper... Non, bon, c'est la dernière attaque de Rose, donc on va attendre. On va le faire en stream plutôt.
celle-ci, mais on va pas la cramer. Ce serait dommage, mais là, on va s'arrêter là pour YouTube. Merci d'avoir regardé cette énième partie, bien sûr. Je fais des bisous et je te dis à la prochaine pour démasquer Emily, la sorcière ou que sais-je. Ciao, bye, à la prochaine.